quelqu'un là-bas. Pas à venir te faire taire.
Hey, attention! Tu sais combien il y avait de gardes là-bas? Tout ça pour une saleté de caillou. Ce caillou vaut autant qu'une maison, mon ami. Oui, mais pas assez pour rembourser le cyclope. Oh, ne sois pas comme ça! On s'est bien amusé, non? Le cyclope va nous tuer, Marcos. Mets-toi bien ça en tête. Et ça n'a rien d'amusant. Ça va marcher, je t'assure. Pourquoi je te mentirais? Tu veux vraiment une réponse? Prends l'œil, mais ne le vends pas. Aucun acheteur ne croira que nous l'avons eu de manière licite. Tout le monde sait à qui il appartient. D'accord. Plutôt ta poche que ses paupières. Ça suffira pour aujourd'hui. Quéré, Marcos. Attends, j'ai vu un bateau. Et je ne le connais pas. Et? Il est trop beau pour ce trou perdu. C'est sûrement le Cyclope. Et il a ramené des amis. Il est de retour? Oh, on peut dire que le sort s'acharne sur moi. Élimine-les! Ça nous fera un souci de moins. Et d'ailleurs, ces étrangers doivent être riches comme Crésus. Le Cyclope les paie bien. Tout le monde va y gagner, tu verras. Pourquoi pas? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Toi? Oh, mais tu ne perds jamais, voyons! Bon, où est-ce qu'ils sont? Dans une maison abandonnée de la côte Est. Qui sait quel trésor ils ont dans leur repère? Envoie-les chez Hadès et emporte tout ce qu'il y a! Nous serons riches! La côte Est. Tu pourrais être un peu plus précis? Je crois qu'ils sont dans une maison abandonnée, près d'un petit bois, au sud de Samy. Mais si ces visiteurs ne sont pas de Kefalonia, d'où viennent-ils? Ce n'est pas important. Tout ce que je sais, c'est qu'ils vont mourir ici. Je garde une part de ces trésors pour moi. C'est ça ou rien. Pas une seule drachme pour celui qui t'a renseigné? Le reste servira à payer ta dette. Nous sommes d'accord. Oui, oui, d'accord. Maintenant, va apprendre à ces étrangers la devise de Kefalonia. Tuer ou être tué.